C'est quoi la société qu'on veut? Où voudrons-nous aller? Où aimerions-nous aller, hein? Ce sont les quelques questions auxquelles on va tenter de répondre au cours de débat. On est en train de passer dans la deuxième moitié de l'échiquier. C'est ce que j'appelle le scénario de la révolution technologique. Nous allons être obligés de prendre de plus en plus de risques pour la liberté d'expression. On peut se poser la question, est-ce qu'on est à un point de bascule? Est-ce qu'on est perdu? Bonjour. Bonjour, bienvenue à tous pour cette conférence débat organisée par le Festival des Idées. Donc là, le thème qui va nous préoccuper aujourd'hui, c'est de se préparer à un monde plus chaud. On va partir du principe que, puisque on peut presque l'imaginer, à mesure que les rapports du GIEC se suivent, on ne peut que constater que l'inaction reste généralisée. Donc finalement, pourquoi pas prendre le problème à l'envers et se dire, ok, il va faire 2 degrés de plus, 3 degrés de plus, 4 degrés de plus. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on peut s'y préparer? Est-ce que ça a un sens? Voilà, donc les trois quarts d'heure prochains vont être consacrés à essayer de répondre à ces questions. Et donc, on a pour y répondre trois invités. Donc, Nathalie Blanc, qui est géographe de l'environnement, directrice de recherche au CNRS, directrice du Centre des politiques de la Terre à Sciences Po, et elle contribue à la création du grec francilien avec Sorbonne Université et l'Université Paris-Saclay. Emmanuel Doutriot, architecte, enseignant et chercheur à l'École supérieure d'architecture Paris-Val-de-Marne, et l'a publié récemment, à savoir l'année dernière, Conditions d'air, politique des architectures par l'ambiance. Donc ça, on essaiera de voir ce que ça veut dire. Et enfin, Thierry Ribaud, qui est chercheur en sciences sociales au CNRS et qui, lui, a écrit cette année « Contre la résilience à Fukushima et ailleurs ». Donc on va rentrer dans le vif du sujet rapidement avec Nathalie Blanc. Est-ce que vous pourriez nous dresser un petit portrait de ce qui finalement nous attend si on ne fait rien? Est-ce qu'on va avoir des crises, des catastrophes? Donc tout d'abord, bonjour à tous et merci d'être venus pour ce débat. Je vous rassure tout de suite, nous n'avons pas de solution. Nous avons aussi des questions comme vous. Donc j'espère que nous allons poser les mêmes questions et ensemble. Je suis pas sûr que ça rassure. Mais... Donc je pense que ça rassure de ne pas avoir... Le futur n'est pas dit. Encore une fois, ça c'est quelque chose sur lequel il va falloir s'accorder. Alors le grec francilien, qu'est-ce que c'est? C'est un GIEC à l'échelle de la région Île-de-France que nous avons monté avec des collègues de telle façon à effectivement essayer de comprendre comment ça va se passer de manière en région Île-de-France. C'est-à-dire pas simplement des chiffres très globaux, comme on peut l'avoir aujourd'hui. C'est-à-dire qu'est-ce que plus 2 degrés, ça veut dire en France, en région Île-de-France, une région au climat extrêmement contrasté du fait des influences à la fois continentales et puis océaniques, etc. Donc on a un premier travail qui est en cours de réalisation qui va donner lieu à une série de cahiers et qui vont être largement diffusés, notamment par la région et la mairie de Paris, qui vont permettre de savoir exactement comment ça va se passer ou au plus près de ce qu'on peut faire la synthèse aujourd'hui sur le plan scientifique. Donc une première chose dont on est sûr, c'est que les signes du changement climatique sont perceptibles aujourd'hui à toutes échelles, y compris en région Île-de-France. Et ça, c'est important de dire que ce n'est pas demain, c'est dès aujourd'hui qu'il faut s'adapter. Alors on sait, et vous le savez tous, ou je pense que la plupart en tout cas sont convaincus, que ce réchauffement est lié aux activités humaines. Et si on parle de la manière dont les activités humaines en région Île-de-France peuvent contribuer au changement climatique, il faut parler d'usage des sols. C'est-à-dire de la manière dont ces sols sont soit agricoles, soit artificialisés, soit etc., etc. Donc ça joue un rôle important dans la manière dont on peut percevoir le changement climatique, au présent d'ailleurs, et à l'avenir, puisqu'on parle bien effectivement d'une hausse de température, et notamment dans les villes, et dans les villes très urbanisées, très imperméabilisées, où effectivement ça va se ressentir beaucoup. Donc vous faites allusion ici à, par exemple, ces phénomènes d'îlots de chaleur et des choses comme ça, quoi. Je fais tout à fait allusion au phénomène d'îlots de chaleur, mais pas seulement. En fait, quand on sait que l'urbanisation est un facteur de modification du climat local.
en termes d'albédo, de réflectance, par exemple, des rayonnements, du rayonnement. Donc, on sait que artificialiser les sols, ça joue sur la manière dont on va percevoir ce réchauffement climatique. Donc, on sait que ces évolutions, dans le meilleur des cas, vont se poursuivre pendant quelques décennies, même si on fait tout pour effectivement atténuer ces émissions de gaz à effet de serre. Et on sait qu'il va y avoir un certain nombre d'événements extrêmes qui vont concerner l'Île-de-France. Donc, par exemple, des canicules, par exemple, des inondations, des vagues de chaleur, des vagues de froid, des précipitations, des sécheresses, etc. On le sait d'autant plus qu'on le voit que les vagues de chaleur ont déjà subi une évolution marquée depuis quelques décennies. Donc, et ça, on a une science de l'attribution en matière climatique qui fait qu'on peut attribuer certains événements au changement climatique. Et ceci, quels que soient les scénarios concernés et proposés par le GIEC. Donc, on sait que les vagues de froid, comme le nombre de jours de gel, vont être en régression. Mais qu'il peut y avoir de grandes vagues de froid. Hein. Ça ne veut pas dire que toute vague de froid va être éliminée. Bon, et on sait que les précipitations extrêmes vont augmenter et on le prend comme un signe probable d'influence du changement climatique. Et du coup, on peut dire qu'il va y avoir simultanément des vagues de chaleur et de sécheresse, etc. Bon, vous voyez, c'est un panorama que vous allez pouvoir... C'est engageant. Enfin, il pourrait être plus catastrophique, disons, dans d'autres régions du monde. D'accord. Il est nettement plus catastrophique. Et une chose sur laquelle je veux insister à ce stade-là, c'est que, puisque je travaille dans différentes communes sur l'adaptation au changement climatique d'Île-de-France, c'est que ces événements ne seront pas perçus et reçus de la même manière selon le degré de défaveur, d'insalubrité dans lequel vivent les personnes. C'est-à-dire qu'on ne va pas vivre à pleine commune cette question d'adaptation au changement climatique de la même manière qu'on la vit à Meudon ou à Clamart. Et ça, je crois qu'il faut faire très attention à ça. Là, la région lance son plan d'adaptation au changement climatique. Je crois qu'il va falloir tenir compte des inégalités sociales et environnementales pour qu'elles aient du sens. D'accord. Parce que donc ça veut dire que ces inégalités qu'on retrouve ailleurs, par ailleurs, à l'échelle mondiale, entre les pays en développement et les pays plus développés, on la retrouve aussi à une échelle beaucoup plus petite, celle de la région, en l'occurrence. Enfin, il y a une sorte de mise en abîme de ces inégalités. Donc, il faut lutter à tous les niveaux, finalement. Absolument. Déjà, le plan d'adaptation au changement climatique de pleine commune fait écho à ça, le fait que les gens vivent dans des bâtiments très insalubres, avec une possibilité d'isolation thermique très moindre que dans d'autres types de bâtis, etc., avec des ressources beaucoup moindres, etc. Et donc, du coup, concrètement, qu'est-ce qui prévoit ce plan d'aménagement? C'est-à-dire qu'on est parti sur des questions de rénovation thermique. On est parti aussi sur des trames vertes et bleues, par exemple. Sur des trames vertes et bleues, c'est-à-dire des connectivités végétalisées de telle façon à renforcer la présence du végétal dans les villes. Mais encore une fois, on a travaillé, par exemple, à Aubervilliers, là où les communes prévoient mettre 500 arbres. Il en faudrait un minimum de 1500, et pas seulement des arbres, mais l'ensemble du coup des trios, si j'ose dire, arbres, arbustes, herbacées. Voilà. Alors, il faudrait des milieux de vie qui soient beaucoup plus végétalisés et pas seulement des arbres. Alors qu'en ce moment, à Aubervilliers, on a plutôt une tendance inverse, à vouloir construire un solarium pour les JO. Quoi. On est très nettement parti dans cette direction, tout à fait. Et ce qu'on a vu d'ailleurs, pour parler de ça, ce qu'on a vu à Gonesse, donc où il y a eu beaucoup de mobilisation, hein, c'est que quand, par exemple, un projet commercial comme Europa City prétend mettre une surface végétalisée équivalente à celle qui était avant, ils le font en toiture végétalisée, là où le rendement du point de vue climatique n'est pas du tout le même. Donc il faut voir aussi que rien ne remplacera la pleine terre de ce point de vue-là. Faut être très clair par rapport à ça. Donc, comme le temps m'est compté, C'est pas faux. Oui, je sais. Mais je vais juste finir sur le fait de dire que le futur n'est pas dit.
et qu'il importe de, un, ne se fier aux faits, et revenir sur les faits, revenir, on fait, en tant que scientifique, nous faisons au mieux pour produire des faits aussi fiables que possible, sachant qu'ils sont toujours révisables, bien évidemment, mais pour le coup, les faits ont de l'importance en la matière, plus que... il faut voir qu'il y a beaucoup d'activistes et beaucoup de collectivités locales qui se battent pour faire changer les choses. Ce n'est pas parce que les gouvernements ont fait preuve d'inaction à cet égard que rien n'est fait. Et regarder au niveau local ce qui se passe, ça me semble tout à fait important. Et il y a beaucoup de gens qui mènent des luttes tout à fait admirables. Il faut avoir une idée de la manière dont on peut imaginer ce futur. Là, je crois beaucoup au pouvoir de l'imagination. D'accord. En la matière. Et puis, regarder dans le passé, il y a des obstacles énormes qui ont été surmontés. Et il me semble qu'on est... tout à fait capable de surmonter cela. Alors, si je dis ça pour finir, parce que je sais que vous êtes... Oh, c'est pas moi. C'est... Je sais que ce sont les caméras. Et si je dis ça pour finir, c'est parce qu'il y a une trop grande tendance à se laisser aller à l'idée que ce futur est déjà écrit, à mon D'accord. sens. Donc, ça veut dire que même si on se laisse aller à ce réchauffement 2, 3, 4, on a quand même des moyens d'agir pour au moins s'adapter. Voilà. Disons. Et donc, un des moyens passe par l'architecture et éventuellement l'urbanisme. Donc, vous, Emmanuel Dutriot, comment vous vous inscrivez dans cette adaptabilité, dans cette adaptation, et quelles sont vos réflexions à ce niveau-là, d'ailleurs, pour commencer, peut-être ? Écoutez, déjà, merci de bien vouloir me donner la parole et surtout, d'un certain point de vue, de donner la parole aux doutes des architectes et de l'architecture en ma personne. La première chose que je dirais, je commencerai comme Nathalie Blanc à l'instant en disant que nous n'avons pas la prétention de pouvoir prédire le futur ou de pouvoir prédire exactement la manière dont nous serons en mesure de nous adapter collectivement parlant à cet endroit ou à cet égard. Je dirais qu'il y a deux risques qui me semblent vraiment importants à écarter d'entrée de jeu. C'est ce qu'on pourrait appeler avec un néologisme peut-être un peu barbare, un barbarisme. Ni solutionnisme technologique, pas de solution toute faite qui accumulerait les trucs et les machins et les dispositifs merveilleux, souvent dictés par la puissance des lobbies industriels et des marchands de soupe pour résoudre ces équations extrêmement difficiles, ni le refuge, ou plutôt le vertige d'une forme d'apocalyptisme, de pensée apocalyptique. Je pense à ce que nous raconte, de ce point de vue, une éminente personne comme Donna Haraway, quand elle nous invite à habiter avec le trouble ou à vivre avec le trouble. Donc, éviter ces deux religions, si on peut dire. Je n'ai pas la prétention d'avoir la réponse toute faite, et je dirais aussi, je me propose en fait de réfléchir entre ce que nous proposerait quelqu'un comme Pierre Rabhi à travers son concept de sobriété heureuse et les affres que nous réserve la Coupe du Monde de football au Qatar l'année prochaine. Quoi. Ce qui est un spectre très large. Absolument. Oui, c'est-à-dire que je pense que nous sortons de dogmes en la matière et que c'est peut-être le moment de réfléchir, non pas des solutions molles, mais des solutions fines, en fait, des solutions qui font valoir dans leur dispositif toute la complexité de ces enjeux, en fait. D'accord. Quand vous appelez fine, c'est par rapport à une échelle régionale, locale, ce genre de choses ? Non, qui sont elles-mêmes, qui intègrent elles-mêmes la complexité dans leur construction. Alors, pour être plus clair, pour être plus précis, effectivement, il y a quand même une question d'échelle. Je suis particulièrement sensible à tout ce que Nathalie a pu nous dire concernant l'échelle territoriale et, disons, métropolitaine. Alors, je vais jouer une autre carte, mais elle me semble être assez complémentaire, qui consiste à essayer de raisonner à une échelle somme toute plus modeste. Et le fait de faire acte de modestie en matière d'architecture, je pense que le public ici présent, il sera peut-être sensible. Alors, je dirais peut-être actuellement, moi, je réfléchis en fait sur trois voies parallèles, on pourrait dire, d'exploration et de recherche.
dans les agences d'architecture, en fait. En ma qualité de chercheur, mais très, disons, lié à la question de la pratique et développant une pratique d'enseignement très liée sur ces enjeux-là. Au passage, il ne s'agit pas de l'école de Paris, Val-de-Marne, mais de Val-de-Seine, mais ça n'a pas tellement d'importance. On parle de fleuves. On parle de fleuves et c'est ça l'essentiel. Alors, je dirais, première chose peut-être, l'architecture est confrontée depuis 30 ou 40 ans à une contradiction féroce qui est d'une difficulté absolue à résoudre et qui précisément est le jeu de cette complexité, à savoir injonction à la sobriété énergétique et injonction de la salubrité sanitaire. En d'autres termes, fermer les portes pour contenir l'énergie et éviter qu'elle se perde à la fois dans notre enveloppe budgétaire et aussi dans le climat qui nous environne. Et en même temps, on le sait plus que jamais aujourd'hui, oui, en matière pandémique, et j'ai eu l'occasion de réfléchir à, justement à cette occasion-là depuis lors, ouvrons les fenêtres, que diable. Donc ça, c'est vraiment, c'est extraordinairement difficile à résoudre. Oui, on ne se rend pas compte en tant qu'usager d'un bâtiment que ça pose, pose des problèmes théoriques et conceptuels aussi importants. Absolument. Je pense que vous faites bien d'insister sur le fait que c'est un enjeu à la fois technique, théorique et conceptuel. Et je dirais même esthétique aussi. Parce que n'ayons pas peur des mots, l'esthétique est aussi. Oui, absolument. Non, au final, tout au long de ce dispositif. Alors, en fait, je disais, premier axe peut-être, sur une forme de sobriété énergétique qui ne soit pas malheureuse. C'est important. Qui consiste plutôt à réviser nos formes de pensée, à accuser, c'est-à-dire à accentuer nos ressentirs. Je suis très frappé du fait que il y a encore peu de temps, nous étions accoutumés, nous autres humains sur cette terre, à passer du chaud au froid, de l'humide au sec, à l'intérieur même de nos habitations, en consentant de ôter le pullover ou de l'ajouter, en faisant en sorte que peut-être différents types d'activités soient associés à différents types, disons, d'ambiance. D'accord. Au sein même d'un même Absolument. Bâtiment, voire, puisqu'on parle de particuliers, d'appartements, c'est ça ? Absolument, que ce soit au niveau de l'appartement, du logement, de l'habiter de façon générale, mais aussi au niveau des lieux d'activité, du bureau, etc. Il y a bureau et bureau. Je veux dire, entre un atelier dans lequel il y a une dépense énergétique forte quand on a la main qui opère et le corps qui se met en branle, et celui de quelqu'un ou quelqu'une qui travaillerait sur un écran, un clavier d'ordinateur assis à une table, la question de la mise en jeu du climat n'est pas du tout la même. Ça, je pense qu'il faut absolument le reconnaître. Donc il faut transformer, il faut accepter de réfléchir nos modes d'existence au regard de cet enjeu-là. Il y va de notre responsabilité intime, et cela n'est pas simplement sous le fait de « il faut que tu dois faire ceci », mais c'est une certaine manière de nous amener à réenvisager le plaisir de ces déplacements au sein même de l'architecture, d'accord, entre des lieux secs, des lieux humides, des lieux froids et des lieux chauds, etc. Il ne faut pas que ce soit une contrainte, il faut que ce soit au minimum naturel et au mieux, voire une source de plaisir. Oui, et je pense qu'en fait, ce qui nous a fait beaucoup de mal, c'est de consentir tous, autant que nous sommes, toute la société, je ne pense pas les architectes tout particulièrement, à l'idée d'une forme de norme absolue qui gravite autour de 19 degrés de température, voire 20 degrés, etc., point barre. Ça, c'est l'appel de la climatisation. Et c'est précisément ce dont nous cherchons à nous affranchir. D'accord. La ventilation naturelle a du bon précisément à tous les niveaux de l'équation que je disais précédemment. Alors, je dirais, pour aller très vite, on pourrait dire qu'il y a un peu deux modèles qui cohabiteraient pour essayer de résoudre cette équation énergétique que je disais à l'instant. Celle du thermos, c'est-à-dire on ferme toutes les écoutilles, on blinde le dispositif et on met... au minimum des mini-fentils ou peut-être des mini-orifices, qui nous permettent de ventiler exactement aux réquisites requis par la norme. Et voilà, c'est tout. Et c'est d'une tristesse absolument à pleurer. Ou bien, il y a les dispositifs de ce que j'appellerais l'oignon, c'est-à-dire plusieurs couches en fait, qui s'emballent tout autour de la cellule première de l'habité et qui permettent, passant de pelure en pelure, passant de chambre en chambre, passant de climat en climat, de faire en sorte qu'on passe d'un niveau, disons, plutôt chaud, qui convient à nos standards habituels d'habiter, vers des niveaux intermédiaires et enfin vers le climat extérieur. D'accord. Et qu'est-ce qu'on met à l'extérieur ? Pardon ? Qu'est-ce qu'on met à l'extérieur ? Pas la salle de bain.
Non, mais je pense à l'extérieur absolu. C'est-à-dire qu'entre l'intérieur de la maison et le jardin, ou la terrasse, ou la rue, etc., il y a bien quelque chose qui se joue. Il faut réfléchir à ces milieux de vie en fonction de... Absolument. Il faut réfléchir à cette température souhaitée en fonction des différents milieux de vie. Quoi. Si vous voulez, en d'autres termes, on pourrait dire qu'on peut penser à la maison comme un échangeur, en fait. D'accord. Voilà. C'est la première question qui me semble vraiment importante et sur laquelle travaillent un certain nombre de gens, de façon très, très fine, très intéressante, pour s'affranchir une fois encore du diktat de la clim, quoi, vous voyez, de la surtechnologisation du logement. Et on sait très bien que qui dit clim ou autre dispositif de cet ordre, c'est non seulement l'énergie qui est dépensée en tant que telle pour chauffer ou refroidir, mais c'est aussi de l'énergie latente à travers la mobilisation de tous ces équipements qui sont toujours là en veille à attendre qu'on veuille bien se servir d'eux. Oui, et puis c'est tout ce qu'on appelle domotique avec des capteurs partout. Absolument, mais toutes les diodes qui circulent là en permanence, etc., ça consomme de l'énergie, ça en bouffe. Alors la deuxième chose, c'est il y a un très fort travail dans les agences et les structures d'architecture sur ce qu'on pourrait appeler la charge matérielle, la qualification matérielle de l'architecture. Les matériaux employés. Oui, mais enfin, disons, au-delà du matériau, c'est la matérialité, c'est la matière. C'est-à-dire, le matériau, c'est du béton, de la brique ou que sais-je encore. Et la matière, c'est ce qu'elle me raconte. C'est-à-dire, est-ce qu'elle est chaude, est-ce qu'elle est froide, est-ce qu'elle est sèche, est-ce qu'elle est rugueuse, en quoi elle m'invite. Nous sommes faits de chair, beaucoup d'eau, du reste, etc. Donc on sait très bien qu'un rapport amoureux, c'est un rapport qui va chercher le toucher, n'est-ce pas, et pas simplement le voir. Donc il y a une dimension comme ça multisensorielle dans la relation à la matière qui me semble être absolument fondamentale et sur lequel travaillent beaucoup d'entre mes pairs, je dirais. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que cette dimension matérielle, elle n'est pas, je pense qu'elle ne doit pas s'envisager d'un point de vue nostalgique, mais elle doit plutôt... ce qui est très intéressant, c'est qu'actuellement, elle s'efforce chez les plus pointus d'entre nous à ce qu'on pourrait appeler accueillir le vivant. Je m'explique. C'est-à-dire, il y a une forme... Nathalie en parlait dans une certaine mesure. Enfin, si, elle en parlait. Quand Nathalie, tu parlais des trams bleues et des trams vertes, c'est-à-dire que nous avons désormais plus que jamais conscience du fait que nous autres habitants de la Terre, nous ne sommes pas simplement des humains, mais qu'à côté de nous cohabitent, vivent avec nous, prennent nous, en nous, etc., des non-humains. Donc, en fait, l'architecture est elle-même un milieu d'échange. Et ce milieu d'échange, j'en parlais à propos des dimensions aéroliques, énergétiques, etc., ça se joue également à un niveau biologique, si on peut dire. C'est-à-dire qu'en fait, désormais, nombre d'architectes travaillent sur la capacité, on pourrait dire, des façades à se penser falaises, si j'utilise une formule. Et alors, ça, il ne s'agit pas des toitures végétalisées au sens où on met juste un petit substrat qui fait environ 2 cm d'épaisseur on a réglé la question de la façade verte. Pas du tout. Il s'agit véritablement de planter, de fabriquer de la pâture, de fabriquer de la prairie, etc., sur des façades épaisses se retournant par-dessus les toitures, etc., et qui permettent d'accueillir précisément une faune et une flore en quantité. D'accord. Là-dessus, bon, c'est des expériences qui sont... c'est pas du tout le projet non plus, ces projets absolument absurdes qu'on a pu voir fleurir dans le cadre de Réinventer Paris, porte-maillot par exemple, c'est pas du tout de ça dont il s'agit, je préfère, donc soyons clairs. Mais disons, toujours est-il que ce qui me semble intéressant, c'est que là, ce qui se joue, c'est une épaisseur de la matière qui environne, de l'enveloppe en fait, qui constitue la limite entre le dedans et le dehors, en d'autres termes. D'accord. Et cette épaisseur architecturale, elle est en mesure désormais d'être paradoxe des paradoxes, d'accepter finalement de porter l'eau à l'intérieur d'elle-même, de porter le substrat à l'intérieur d'elle-même, et donc de ce point de vue d'être accueillante à l'endroit du vivant. D'accord. Est-ce que, juste pour finir, vous auriez pour nous, franciliens ou parisiens, un exemple de réalisation qui satisferait à ces différentes contraintes ? Peut-être pas toutes, mais le plus possible. Je vais revenir à ces axes. Il y en avait un troisième à propos de la question du commun, sur lequel les expériences sont plutôt à aller envisager du côté de l'étranger. Berlin, Raum Labor, par exemple, l'équipe allemande absolument passionnante qui travaille depuis des années sur la reprise en charge, pour aller très vite, de friches urbaines construites ou non construites consécutives de la période de la DDR, en faisant en sorte de mettre en marche un dispositif de partage de la décision avec la, la,
les communautés citoyennes. Ça, c'est complètement passionnant. Ça se situe à un autre niveau. Mais ça existe néanmoins, donc il suffit d'aller voir Raum comme espace en allemand, Labor comme travail. Voilà. Donc, ou alors à l'occasion d'un prochain voyage là-bas. Absolument. Allez-y. Mais allez-y, allez-y en train. Alors peut-être... Bien peur que non. J'ai bien peur que non. Vous avez déjà un tout petit peu débordé. Quand on parle d'adaptabilité au futur, quand on parle de réchauffement à outrance, il y a un concept qui surgit très régulièrement. En fait, il surgit un peu n'importe comment et dans de multiples contextes, mais c'est celui de résilience. Et c'est typiquement quelque chose qui ne vous satisfait pas. Oui, enfin, c'est pas une insatisfaction personnelle. Je suis très heureux dans la vie, rassurez-vous. Ah, mais je l'espère. Mais je veux dire que non, c'est pas une question de satisfaction. C'est une question de catastrophe dans la catastrophe, puisque en fait, la résilience a une prétention. D'abord, elle fait plus qu'apparaître. Elle est un outil politique international désormais. Donc, on parle de quelque chose qui n'est pas simplement une simple mode ni journalistique, ni encore que ça puisse l'être. Qui n'est pas une simple rhétorique. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je développe l'idée qu'en fait, la résilience est une technologie du consentement. Je veux simplement ici signaler qu'il y a a été créée en juin dernier en France une commission parlementaire de la résilience nationale quand même, pour vous dire que l'affaire est assez sérieuse et qu'en fait il s'agit de quelque chose d'assez grave. Juste peut-être, parce que je suis pas sûr que tout le monde, enfin je pense que pour la plupart, mais peut-être pas tous, est-ce qu'on peut juste en deux trois mots redéfinir ce qu'est la résilience, tout bêtement. Bon, de toutes les manières, il y a mille et une définitions qui sont avancées, et à chaque fois, bon, finalement, elles convergent vers quelque chose de très simple. Il s'agit d'explorer les mille et une manières, précisément, de faire plier son objet sans le rompre, que cet objet soit de la ferraille, du bois ou du vivant. Parce qu'au départ, ça vient de la métallurgie. Au départ, ça vient de la science des matériaux. Il s'agit également de rendre ce même objet conforme à son milieu. Il s'agit enfin de, soi-disant, se renforcer dans l'épreuve. Toutes les définitions convergent vers ces trois axes de la résilience. Donc, finalement, il s'agit de résister sans opposer de résistance, on peut dire, d'une certaine manière. Car la résilience, elle travaille essentiellement sur les psychés. Elle veut travailler sur les... Elle ramène les catastrophes objectives à des catastrophes subjectives, en fait. C'est ça son problème. Et donc, C'est-à-dire, je veux bien que vous détailliez ça. Eh bien, en fait, par exemple, si on observe le cas concret que moi j'ai observé dans le contexte de la catastrophe nucléaire de Fukushima, il s'est agi de la part des pouvoirs publics, après avoir créé un ministère de la résilience, au passage, et d'avoir décliné un certain nombre d'objectifs jusque sur le terrain où on est allé voir les gens pour leur dire que les pouvoirs publics, ben, ils allaient faire ce qu'ils pouvaient, mais c'était à eux, les gens, individuellement, de mesurer leur radioactivité continuellement et journellement, de manière à apprécier eux-mêmes leurs risques, donc de se plonger dans la soi-disant culture du risque pour pouvoir sauver leur peau, en fait. C'est ça qui leur a été dit. Donc, c'est en ce sens qu'en fait, on subjectivise la catastrophe, en fait, avec la notion de résilience. Voilà. Mais ce que je veux dire, je veux préciser quelque chose. La loi climat et résilience en France, qui est en train d'être discutée en ce moment, elle est absolument dans le même état d'esprit. Parce que finalement, d'une part, on voit bien que dans cette loi, on nous prépare au pire sans chercher à élucider les raisons de ce pire, en fait. Donc on est vraiment dans la notion de préparation. D'ailleurs, dans la loi de 100 pages, la notion de préparation surgit à peu près une quarantaine de fois. Il s'agit vraiment, on parle même de préparer les mentalités, d'éduquer, donc d'amener les gens à avoir une culture du risque, qui est une culture du risque. Ça signifie qu'en fait, chacun va devoir gérer son risque individuellement. En fait. D'accord. Donc c'est ça le problème, c'est qu'on met en avant l'individu plutôt que le collectif. Oui, parce qu'il y a une dimension profondément néolibérale dans la notion de résilience. Je ne suis pas le premier à le dire, d'autres gens l'ont dit, Barbara Stiegler l'a dit, Eva Illouz le montre admirablement, etc. Par contre, moi, ce que je précise, c'est que finalement, c'est peut-être pas tant une notion qui est en accord parfait avec le néolibéralisme, qu'une notion qui est en accord parfait avec la manière dont les sociétés industrielles gèrent leurs désastres, c'est-à-dire plus précisément la manière dont elles administrent les désastres, c'est-à-dire elles prétendent les gérer
Et en fait, elles utilisent des technologies qui sont elles-mêmes désastreuses pour pouvoir les gérer. Okay, et donc, finalement, elles génèrent du désastre avec les désastres. Oui, il y a une fuite en avant. Oui, et parce que finalement, comme Schumpeter disait, il parlait de la destruction créative. Je crois qu'on est véritablement là-dedans, désormais. On est véritablement dans une destruction créative. C'est-à-dire qu'en fait, les catastrophes sont des sources de développement et d'innovation technologique qui vont nous aider à nous préparer et à créer de nouvelles catastrophes. Et on générera d'autres technologies derrière, etc. On est dans un cercle vicieux. J'ai l'impression qu'on est dans, justement, pour revenir sur Schumpeter, on est dans la phase destruction. Oui. Et on est encore loin d'être dans la phase créatrice. Tout à fait. Et rien ne dit qu'elle va t'advenir, en fait. Oui, tout à fait. Parce que c'est une loi empirique. Enfin, c'est une loi, même le mot est un peu fort. Rien ne dit qu'elle va advenir. Et je dirais même qu'on est plutôt dans une phase récréative. Récréative, parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe en parallèle de cette gestion, de cette administration du désastre technologisée ? En fait, comme je l'ai dit précédemment, on enjoint les populations à prendre part à la gestion. Et en fait, on enjoint chacun à devenir acteur du désastre. C'est-à-dire, finalement, on enjoint chacun à intérioriser une menace dont il n'est pas responsable, en fait, à l'origine. Et à l'intérioriser au plus profond de soi-même. Vous savez, il y a cette fameuse formule de Nietzsche que tous les résiliomaniaques reprennent, y compris, bien sûr, les cyruliques et compagnie, qui dit « tout ce qui ne tue pas rend plus fort ». Vous connaissez, bien sûr, ça, c'est une banalité. Le seul problème, c'est que Nietzsche, quand il a eu la syphilis, il était tout à fait conscient qu'il n'est pas devenu plus fort. Mais par contre, ce qu'on peut dire, c'est que tout ce qui ne tue pas rend plus fou, par contre. Et ça, je ne le dis pas pour faire une jolie formule. Il suffit d'aller voir sur le terrain les gens qui, à Fukushima, n'ont pas pu ou n'ont pas voulu, pour des raisons que je ne peux pas détailler ici, quitter les zones contaminées. Eh bien, en fait, c'est la folie qui les saisit. Bien sûr, ils ne meurent pas sur place comme dans les films de science-fiction où on voit la radioactivité qui sidère les gens et qui les broie, qui les brûle, des images comme ça qui sont apocalyptiques précisément. Mais par contre, les gens deviennent fous. Donc tout ce qui ne tue pas ne rend pas plus fort. Tout ce qui ne tue pas rend plus fou. Voilà. D'accord. Et sur la phrase de Nietzsche, en plus, je crois qu'en gros, elle est très personnelle. C'est ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Il ne peut pas en faire une généralité, quoi. Donc, on est très loin, effectivement, d'une politique publique telle que celle qu'on voit mettre en œuvre pour gérer les catastrophes. Oui. Voilà, on a dressé un petit panorama. On vous a proposé différents éléments dont vous pouvez vous emparer pour votre réflexion, voire pour votre action. Et je vous propose, dans les quelques minutes qui nous restent, d'éventuellement poser des questions à nos trois intervenants. Là, je crois que... Juste, je précise, à 45, on coupera. Bonjour, je suis architecte et je travaille pas mal en Île-de-France. Je vois les réglementations évoluer et les réflexions aussi, mais pas forcément dans le même sens. On parle beaucoup de l'étalement urbain, des manières de le limiter, des inconvénients de cet étalement, et de la nécessité de ménager la pleine terre partout, ce que je partage évidemment. Par ailleurs, les réglementations se succèdent et limitent régulièrement de plus en plus bas la hauteur. Vous savez que la hauteur en France est un blocage psychologique. Et par exemple, on parlait tout à l'heure de pleine commune. Il faut savoir qu'à pleine commune, le nouveau PLUI limite pratiquement à R+4, c'est-à-dire à 4 étages, la hauteur des immeubles. Je ne pense pas qu'au 5e étage, les gens manquent d'air, ni qu'au 6e, ils vont étouffer. Donc, de ce fait, on a tendance, puisqu'il faut construire, parce que les gens veulent habiter en Île-de-France, qu'on ne va pas supprimer la population, à s'étaler plutôt dans l'autre sens, et voir ce qu'on n'arrive pas à mettre à pleine commune, les mettre un peu plus loin, et donc, quelque part, indirectement, à étaler et artificialiser. Pardonnez-moi, mais si on veut pouvoir donner la parole à plusieurs personnes, est-ce que vous pourriez poser votre question directement ? Bah, c'est,
Que pensez-vous de cette évolution réglementaire et de ce blocage sur la hauteur? Je veux dire, c'est une, la question, elle est là. Okay. C'est comme, et du paradoxe que pose cette évolution. Voilà. Moi, je pense que c'est une question qui s'adresse aussi à Nathalie, enfin, il me semble. Enfin, je ne sais pas. Enfin, là encore, on se situe... Enfin, moi, je dirais, pour aller très vite, qu'on se situe encore une fois dans une sorte de contradiction difficile entre des présupposés qui nous amèneraient à penser que c'est par la densification qu'on s'en sort. Et d'autres qui considéreraient, j'étais sensible à cette formule de bon, Yves Lyon, sans parler, enfin, je n'ai aucune préférence pour qui que ce soit ici sur ce plateau, mais qui nous disait, qui parlait de l'effet barbecue, qui me semblait assez intéressant, c'est-à-dire qui disait à propos de l'étalement urbain dont vous parlez là, à l'instant, en fait, ce qui est intéressant à penser, c'est qu'évidemment, on est en tant qu'architecte probablement et en tant qu'urbain de façon générale, on est attaché. Sans doute à nos fameux centres-villes et à une certaine forme de resserrement de la ville. Et en même temps, il faut peut-être prendre les choses de façon un peu globale. Il y a la génération EasyJet qui, le week-end, se permet d'aller soit prendre la bagnole pour aller dans les lointaines forêts d'Île-de-France, soit pire, de prendre un charter pour aller à Lisbonne. Et puis, il y a la génération barbecue qui a un pavillon avec un jardin au bout de son jardin et qui lui permet finalement... peut-être d'être moins dispendieux en matière de consommation d'énergie pour ses déplacements. Bon, voilà. C'est pas vraiment une pirouette, mais c'est dire une fois encore qu'on est dans le complexe. Est-ce que tu veux ajouter un mot ? Non, juste rajouter un mot. La fuite vers le pavillonnaire, elle est liée aussi à d'autres phénomènes, c'est-à-dire l'idée de se protéger soi-même, ce que le politique n'offre pas peut-être en centre-ville par rapport au coût de la vie, par rapport à la qualité aussi de l'habiter. Donc la question de la fuite vers le pavillonnaire, elle est complexe. Hein, et depuis les années 50, on voit qu'elle a dramatiquement augmenté tout au long des décennies. Donc je pense qu'on ne peut pas simplement la résorber en disant on fera du R plus 20 à pleine commune. Par ailleurs, effectivement, comme le dit Emmanuel, il y a des contradictions au sein des politiques entre densification et volonté de maintenir une certaine qualité de l'habitat à l'échelle régionale. Merci. D'ailleurs, je crois que cet idéal de pavillon a été remis en cause récemment par je ne sais plus quelle politique qui a dit qu'il fallait l'abandonner. Monsieur, attendez le micro. À nouveau, si la question pouvait être concise. Oui, ça sera très clair, ça sera court. Je vous remercie. J'aurais aimé, notamment peut-être l'architecte, que vous me parliez de l'architecture en milieu extrême et de l'hyperconditionnalité des espaces. Donc, vous savez, il y a tout un ensemble de recherches qui sont faites aujourd'hui sur comment on fait des bâtiments qui sont efficaces dans des espoirs extrêmes et comment on hyperconditionnalise un espace pour s'abstraire entre guillemets de ce qu'il peut y avoir autour. Donc par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure sur le thermos ou justement l'architecture en oignon, c'est la première chose. Et la deuxième chose, vous avez parlé un peu de domotique, et donc c'est un peu en relation avec ça, sur cet aspect technologique et le fait que forcément tout le monde n'aura pas accès à ça. Donc voilà, je voulais savoir un peu dans le prolongement de ce que vous commenciez à dire sur les exemples que vous avez qui sont intéressants, de voir par exemple au niveau de ce type de recherche là ou dans la poursuite de ce que vous aviez commencé à dire dans les solutions possibles par rapport au plus chaud, quoi. Voilà. Alors, je ne sais pas si c'est complètement répondre à votre question, mais il y avait cette semaine au pavillon de l'Arsenal, qui est un peu la vitrine, on pourrait dire, de la réflexion, disons, des enjeux traitant de l'architecture pilotée par la ville de Paris. Donc, elle n'est pas complètement une institution indépendante, c'est le moins qu'on puisse dire. Du reste, elle ne l'est pas, mais qui accueille quand même des manifestations intéressantes. Elle accueillait un architecte qui s'appelle Gilles Perraudin et qui a été longtemps associé dans la vie comme dans l'activité avec une dame désormais disparue qui s'appelait Hélène Jourda. Et l'un et l'autre, à leur couple, racontaient précisément à la fois ce complémentaire au propre comme il figurait et cette contradiction, excusez-moi d'insister sur ces choses-là, entre ce qu'on peut appeler la logique du capteur et celle de l'accumulateur.
Il y a un bâtiment qui est particulièrement significatif de ce point de vue, c'est celui de l'école d'architecture de Lyon, qui comprend une immense verrière, on pourrait dire, coiffant les ateliers, et en dessous, au rez-de-chaussée, une cave, si on peut dire, constituée de béton armé à très fort potentiel inertiel. Et c'est intéressant de penser les choses en ces termes-là. Alors ça, c'était peut-être le moment un peu l'apogée de leur contribution, leur collaboration commune, et puis après, ils sont partis chacun sur des voies divergentes. Je termine juste sur cette réponse pour aller le plus vite possible. C'est que à Saint-Louis du Sénégal, très récemment, Perraudin a été amené à réfléchir sur la transformation d'un petit bâtiment en parpaing, exposé plein pot au soleil, le cagnard des tropiques, en proposant une extension avec une véranda constituée de, pas une véranda, pardon, une pergola ouverte, constituée de briques de terre d'argile, et en doublant la construction originelle avec des briques de terre, également de terre crue. Et ce double dispositif, sans parler des accompagnements floraux, etc., ce double positif a fait décroître de façon considérable la température à la fois mesurée et ressentie à l'intérieur. On est dans une situation extrême que nous allons peut-être vivre bientôt à Paris. Enfin, très récemment, Philippe Rame évoquait toutes sortes de scénarios possibles à l'horizon de ces années prochaines, etc. L'un d'entre eux étant le dispositif migratoire. Et si Paris devenait Oslo et ainsi de suite, on peut penser les choses dans un terme symétrique. Oui, je voudrais ajouter quand même que les solutions, elles ne seront pas à penser uniquement à l'échelle du logement. Elles doivent être collectives ou ne seront pas. Et la question urbaine, elle est justement pour rappeler l'importance du collectif à cet égard. C'est-à-dire que pour le coup, il faudra que les architectes, ce qu'ils font déjà, travaillent à l'échelle urbaine et non pas simplement à l'échelle du bâtiment. Et ça me semble essentiel à penser parce qu'on l'a vu dans la crise épidémique actuelle. Les communautés de solidarité ont été essentielles, notamment dans les quartiers difficiles, pour pallier à la crise. Donc, ce n'est pas simplement une problématique d'isolement ou de captage. Merci. Je voulais simplement ajouter ce que je trouve troublant, à la fois dans les questions et dans les réponses, finalement, c'est que on sent bien que tout est questionné sauf la notion d'adaptation. Or, on pourrait se demander, et c'est bien moi ce que j'essaye de faire, est-ce que l'adaptation est adaptée, en fait ? Je pense qu'on est dans un nouvel esprit des catastrophes, comme certains ont appelé un nouvel esprit des capitalistes, du capitalisme dans les années 90. On est désormais dans un nouvel esprit des catastrophes et des nuisances qui les accompagnent. Un nouvel esprit qui, en fait, promeut les qualités de créativité, d'invention, d'autonomie, etc. Bon, avec tout un langage, d'ailleurs, néo-managérial adapté, avec gestion de projet, évaluation, benchmarking, bonne pratique et tout ça. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que, et on voit bien dans les tentatives de questions et de réponses qu'on fait ici, qu'en fait, on est dans un espèce de... Il s'agit en fait un peu de faire son shopping de la survie dans un magasin de bricolage, vous savez. Et en fait, vous allez prendre les briques machin dans le rayon briques, le bois le moins pollué dans le rayon bois, et vous allez faire votre petite cabane au fond des bois avec une terre qui est déjà largement laminée et détruite. Voilà, c'est ça que je constate. Et ce n'est pas un constat d'effondriste que je porte, puisque les effondristes, les collapsologues, eux, sont des fervents partisans de la résilience et justement du bricolage. Simplement, je veux pointer le fait que c'est bien de bricoler, mais il faut quand même s'interroger, encore une fois, sur les causes profondes qui nous amènent à cet esprit de bricolage. Alors, si on a une question de 20 secondes qui appelle une réponse de 40 secondes, c'est jouable. Monsieur. Juste bêtement, vous dites, vous voulez qu'on s'intéresse aux causes. Bah, pourquoi vous voulez parler des causes ? De quelle cause, par exemple ? 20 secondes. 40 secondes. Technocapitalisme échevelé, commerce et économie mondialisée sans contrôle, surconcentration urbaine de plus en plus intense, pillage généralisé de la planète, pêche, agriculture à grande échelle et mécanisée en sont des exemples, perte d'autonomie à tous les niveaux, destruction du désir de la beauté du monde également.
Eh bien voilà, on va s'arrêter là-dessus. Merci de nous avoir écoutés. J'espère que ça a été riche d'enseignements pour vous, comme ça l'a été pour moi et peut-être pour nos intervenants. Donc, je vous invite à poursuivre le Festival des Idées avec les manifestations qui vont suivre. Merci encore.